non. Nos diplômés vont rentrer dans la grande famille des anciens. Et ça va durer, hein. C'est pour de beaucoup d'années, là. Je vais demander à Béatrice Vandeau, qui est directeur des partenariats des entreprises et des anciens du groupe, de venir ici même vous parler des anciens. Merci Béatrice. Bonsoir à tous. Effectivement, il y a un avant et un après. Donc moi, je suis donc porteur d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle. Souvenez-vous, au mois de juillet, vous avez passé vos examens et donc vous êtes devenus des jeunes diplômés. 9 mois sont passés. Donc maintenant, le temps d'une gestation, finalement, vous passez du statut de jeune diplômé à un ancien. Voilà. Rassurez-vous, finalement, on s'y fait assez vite. Hein. Bon, en même temps, quand je vous ai vu tout à l'heure, vous êtes encore des jeunes anciens. Donc ça va. Alors, en revanche, ancien, c'est quelque chose qui signifie quelque chose et qui doit pour vous évoquer quelque chose qui est en fait la chose qui est la plus importante, c'est la responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de vos camarades. Vous devez garder le contact entre vous. Il faut absolument cultiver le réseau dont on parle tant, vous entraider, être solidaire, échanger vos coordonnées, échanger vos contacts. Bref, vous entrez dans l'ère du networking. Et pour cela, la symbolique de ce soir est merveilleuse. Une marraine exceptionnelle pour la promo 2006, qui réunit les 7 écoles dans un lieu prestigieux. Vous êtes donc une promo exemplaire, qui entre dans le réseau 2AI-SEG à dimension régionale, nationale et internationale. Nous avons reçu hier soir, pour la petite histoire, un mail de Mathieu Salvignol, promo 2001, un ancien qui nous écrit des États-Unis de Floride, plus précisément où il est sales manager chez Banana Moon, ce qui devrait faire rêver les jeunes filles ici. Et Mathieu vous salue tous et félicite le groupe pour cette initiative dont il a en fait pris connaissance sur le web. Donc ancien égale responsabilité. Responsabilité aussi vis-à-vis de votre école. Vous serez nos ambassadeurs dans le monde de l'entreprise. Il faut donc impérativement que vous nous donniez de vos nouvelles sur votre évolution, sur votre carrière, sur vos nominations, j'espère successives. Nos anciens participent activement à la vie de l'ISEG. Ils nous donnent des idées, des impulsions. Et n'oubliez pas que le lifelong learning passe aussi par l'échange de connaissances et de compétences. Responsabilité surtout vis-à-vis des plus jeunes, les Iségiens qui vous rejoindront sous peu et pour qui vous êtes désormais l'exemple. Vous pouvez les aider à se projeter dans l'avenir grâce à vos témoignages, grâce aux rencontres dans le cadre des Reading Weeks, des petits déjeuners des anciens qu'on a lancés cette année. Vous pouvez les prendre en stage, leur offrir un job, leur prodiguer vos conseils, et ce sera pour vous aussi ainsi une occasion de vous souvenir de vos années d'études. Responsabilité enfin vis-à-vis de l'association qui sera là pour faire le lien et qui vous suivra dans vos projets. Gardez donc le contact et nourrissez de vos idées le réseau de ZAI-SEG. Informez-vous et connectez-vous régulièrement à notre portail web. Vous êtes aujourd'hui 12 500. J'ai compté personnellement dans plus de 3 500 entreprises et 45 pays différents. Sur certains sites de networking qui sont très à la mode, comme vous le savez, j'ai recensé des hubs comptant jusqu'à 2000 iségiens. C'est ça votre force. Et nous devons plus que jamais intensifier et amplifier ces tendances. Chers jeunes anciens, toutes mes félicitations. Je vous souhaite dans votre vie beaucoup d'audace, beaucoup d'envie et surtout, restez curieux du monde qui vous entoure. J'ai le plaisir maintenant d'appeler Xavier Duputel, promo 2003, qui va vous apporter ce soir son témoignage aussi de jeunes anciens. Xavier.
Merci Béatrice, merci de cette intronisation. Xavier, on se connaît bien, avec plaisir. Bonsoir. J'appartiens à la promotion ISEG 2003. Cela fait 4 ans que j'ai quitté l'ISEG. C'est donc en tant qu'ancien, jeune actif, professionnel que je m'adresse à vous ce soir. Depuis 4 ans, je travaille au sein du groupe Alliance Healthcare, dans l'industrie pharmaceutique. Au moment de ma mission de fin d'études, ce groupe m'avait chargé de tester l'intérêt de développer des solutions de marketing direct au sein de la société à l'échelle de la France. En 6 mois, j'ai convaincu l'entreprise de me laisser mettre en place des outils. En 1 an et demi, le projet à l'état de test est devenu une structure de 4 personnes. Au bout de 2 ans, la petite structure imaginée est devenue une filiale du groupe et comptait 12 personnes. Aujourd'hui, j'ai recruté 23 collaborateurs et me charge d'étendre le modèle dans les pays européens où le groupe est présent, notamment en Italie, en Espagne, au Portugal, en Angleterre. Il m'a fallu peu de temps en entreprise pour constater à quelle vitesse un projet pensé à l'échelle régionale, voire nationale, pouvait prendre une dimension européenne, voire mondiale. J'aimerais attirer votre attention sur ce point. Également, j'ai réalisé l'importance d'un réseau, l'importance des réseaux. Vous êtes aujourd'hui, comme moi, ancien de l'ISEG. Mesurez l'importance de ce statut. Depuis que j'ai quitté l'ISEG, il m'arrive très souvent d'échanger avec des étudiants à l'école, sur des salons et même aujourd'hui dans le cadre de recrutement. En tant qu'ancien de l'ISEG, j'éprouve une grande fierté lorsqu'il m'est possible de faire profiter un étudiant de mon expérience, d'échanger des contacts pour une candidature. Il est de notre devoir, à nous jeunes actifs, de véhiculer cet esprit, d'accompagner un iséguien cherchant ses repères et éventuellement de rendre peut-être ce qu'on a eu la chance de recevoir, un coup de main, un coup de pouce d'un aîné. Personnellement, je trouve cela très valorisant et très enrichissant sur le plan humain. Ne sous-estimez pas cette richesse, votre richesse. Mon réseau de quelques anciens, clients, fournisseurs, partenaires ne cesse de s'étendre. Aujourd'hui, il est européen. En tant qu'ancien de l'ISEG, et à partir de demain, lorsque vous repasserez dans votre école, vous porterez un autre regard sur ce moment fort de votre vie, croyez-moi. Je suis certain que, comme moi, vous éprouverez ce plaisir et cette envie de faire vivre l'esprit ISEG, c'est fondamental. Je vous souhaite, chers collègues, un beau début de carrière, de belles opportunités et de belles rencontres professionnelles. Excellente fin de soirée à vous. Merci. Merci. Merci, Xavier.